أهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, alors que le Coran met l'emphase sur l'acquisition des connaissances et qu'à l'époque du prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, les musulmanes et les musulmans n'étaient jamais trop timides pour les questionner même sur les affaires privées telles que la vie sexuelle, aujourd'hui, pour les parents musulmans, sexe est un mot grossier. Ils sont mal à l'aise dans les discussions de l'ordre sexuel avec leurs enfants. Mais ça ne les dérange pas que des laïcs, que des enseignants non musulmans, de sexe opposé parfois, que les pères des deux sexes, que les médias et que la télévision les fassent pour eux. En moyenne, un enfant est exposé à 9000 scènes de sexe par année. Ses parents devraient savoir que parler de sexe n'est pas toujours vulgaire. C'est un aspect important de notre vie. Dieu qui prête attention à tous les aspects de notre vie et pas seulement à la manière de l'adorer. Traite de la reproduction, de la création, de la vie des familles dans les Corans. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, qui nous a été envoyé en exemple, discutait de nombreux aspects de la vie sexuelle, y compris des différentes positions avec ses compagnons. La principale raison pour laquelle les parents musulmans ne parlent pas ou ne peuvent pas parler de sexe avec leurs enfants et leur éducation culturelle et non leur formation religieuse. Le problème est qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle telle qu'elle est enseignée dans les écoles publiques est incomplète. Elle ne couvre pas la moralité associée au sexe, ni les déviations sexuelles, ni l'institution du mariage. Les parents doivent assumer un rôle plus responsable. Un père a le devoir d'être capable de répondre aux questions de son fils et une mère a le même devoir envers sa fille. On peut difficilement influencer le sexe tel qu'il est enseigné dans les écoles publiques ou montré par les médias, mais on peut y ajouter une dimension éthique et morale en parlant de l'amour familial et de la responsabilité. En dehors de ces acteurs, les enseignants des écoles islamiques peuvent également intervenir, de même pour les médecins de famille, les pédiatres, les clergés. Au sein d'une famille, la sœur aînée a un devoir envers sa sœur cadette et le frère aîné a le même devoir envers ses petits frères. Dans l'islam, tout ce qui conduit au mal est aussi considéré comme mal. Par conséquent, les parents devraient contrôler la musique que leurs enfants écoutent ou les programmes qu'ils regardent, les magazines qu'ils lisent et les vêtements qu'ils portent. Les parents musulmans devraient enseigner à leurs enfants de ne pas boire de l'alcool, de ne pas manger du porc, de ne pas prendre de la drogue et de ne pas s'engager dans des relations sexuelles prématriales non plus. Chers frères et sœurs,
je ne suis pas en train de suggérer que tous les jeunes musulmans devraient se marier à 16 ans. Mais je dois dire que les jeunes devraient accepter les instincts biologiques et prendre des décisions qui les aideront à développer une vie plus satisfaite, consacrée à une carrière plutôt que de passer du temps à chasser ou à rêver le sexe opposé. Les parents devraient aider leurs fils et leurs filles dans la sélection de leurs compagnons, compagnes, en se basant sur les degrés de pratique islamique comme critère, et non pas la race, la couleur ou la richesse. Ils devraient les encourager à se connaître dans un cadre supervisé. L'organisation communautaire a plusieurs rôles à jouer. Fournir une plateforme pour permettre aux filles et aux garçons de se rencontrer sans aucune intimité. Offrir des cours d'éducation prématurale aux filles et aux garçons de plus de 18 ans séparément pour les préparer à leur futur rôle de père et d'époux et de mère et d'épouse. Le père a un rôle spécial mentionné par le prophète Mohamad, paix sur lui, et sa famille. C'est lui à qui Dieu donne un enfant. Il doit lui donner un bon nom. Il doit bien l'éduquer, le former, et quand il ou elle atteint la puberté, il doit chercher à le ou la marier. Si le père n'arrange pas leur mariage après la puberté malgré sa capacité à le faire, et que la fille ou le garçon commet un péché, la responsabilité du péché reviendra au père. Chers frères et sœurs, l'éducation sexuelle islamique devrait être enseignée à la maison à partir d'un jeune âge. Avant d'instruire sur l'anatomie et la physiologie, il faut s'assurer que la croyance en notre Créateur est bien établie. Comme le disait Dostoïevski, sans Dieu, tout est possible. Sans Dieu, tout est possible, signifiant que le manque de croyance ou de conscience de Dieu ouvre la porte aux méfaits. Un père devrait enseigner à son fils et une mère devrait enseigner à sa fille. Dans l'absence d'un parent volontaire, le meilleur second choix est de s'en remettre à un enseignant musulman, de préférence un médecin pour les garçons, et une enseignante, de préférence un médecin pour les filles. Le programme devrait être taillé selon l'âge de l'enfant et les classes devraient être tenues séparément. Seules des réponses pertinentes à une question devraient être fournies. Chers frères et sœurs, cet exposé sur l'éducation sexuelle en islam peut être considéré comme un modeste résumé. En effet, ce sujet est d'une importance capitale et mérite qu'une analyse plus approfondie avec l'avis des spécialistes soit apportée. Puisse Dieu le Tout-Puissant éclairer nos cœurs et nos esprits par le savoir, la science et la foi, qu'il nous guide sur les chemins de ceux qu'il a comblés de faveurs, non pas
de ceux qui ont encouru sa colère ni des égarés. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.